j'assisterai à une grandiose évocation de la victoire la plus prestigieuse de Napoléon, Austerlitz. Vous voulez dans la guerre ? Mon général, que nous reprochez-vous ? Vos multiples tentatives d'assassinat. Alerte au poste de garde Ségur ! Alerte au poste de garde ! Misérable ! Il sacrifierait tout pourvu qu'il sauve sa peau ! Mais qu'est-ce que je peux bien foutre ? Avec des gens comme ça ! Ah, quelle journée ! Pire qu'une bataille. Mais celle-là, je crois bien que j'ai gagné. Quelle belle représentation je vous ai donnée. Commédiante. Mon théâtre, à moi, c'est le monde ! Le rôle que j'y joue, c'est celui de maître ! Et cependant, l'homme d'Austerlitz, l'homme qui faisait trembler les grands de ce monde, était affligé des plus humbles préoccupations du commun des mortels. 2 pouces de plus ? Ah, ça y est toujours. Constant, si un jour tu écris tes mémoires, rajoute 2 pouces. Hein ? C'est tout ce qui me reste de mon costume de bain. Tes généraux me l'ont pris. Comment ? Mais alors ils t'ont vu toute. Pauline s'empare des caires en Bonaparte, prend les villes. Pourquoi dis-tu oui à tous les hommes qui te plaisent ? Je fais comme toi. Seulement moi, je ne suis pas hypocrite. Tu te souviens de notre nuit du traité d'Amiens il y a 4 mois ? Eh bien. Peut-être. Nous avons 10 siècles d'outrage à venger, vous avez 2 mois devant vous pour ce travail. Alors, monsieur, réveillez-vous. Il faut gagner votre argent, c'est le peuple qui paie. Je reconnais là l'ardente sincérité de votre amour pour la France.